Du beau monde, ici au centre de santé de Niabizane, dans la vallée du Ntem, au sud du Cameroun. Autour de l'élite, la population échange. Question de trouver les voies et moyens pour le retour au calme. En mission de soutien de nos frères qui ont connu le deuil de manière très tragique. Nous sommes donc venus là et comme il y avait des petits remous, nous sommes venus pour calmer, aider à calmer les esprits aussi, apporter un message de paix, d'apaisement, comme le président, le chef de l'État, son excellence pour nous. Après la construction du barrage de Memvele, l'activité de pêche s'est développée à Niabizane, ce qui attire les pêcheurs venus des différents points du pays. Toutefois, l'activité est mal encadrée. Bon, moi je pense que franchement, avec l'aide déjà de l'autorité administrative, avec l'effort de maintien de l'ordre, déjà même tout commence à aller. Et nous avons posé des doléances, et si on trouve des solutions aux doléances que nous avons posées, c'est-à-dire réglementer déjà les activités au niveau du plan d'eau, je crois qu'il n'y aura plus de risque, tout au moins au niveau du plan d'eau. La population plaide pour la création d'une école de pêche, la formation des jeunes aux techniques de pêche, la construction d'un débarcadère, l'identification des pêcheurs et l'immatriculation des pirogues. Faut-il rappeler que la découverte de deux corps il y a quelques jours a causé de vives altercations et les personnes désignées comme halogènes obligées de quitter les lieux. Bétaré Oya, important site minier à l'est, aujourd'hui Eldorado de jeunes enfants travailleurs d'or. Pour aller à l'école, parents et ONG voir l'édile de Bétaré Oya mènent de rudes combats. La situation inquiète, Nicolas Baba passe à l'offensive. Opération, un acte de naissance, un enfant. Lorsque les enfants sont dans des classes d'examen, ils ont tous les problèmes. C'est la raison pour laquelle la commune a pris sur elle d'organiser une campagne d'établissement, n'est-ce pas, d'acte de naissance, pour permettre à ces enfants d'avoir ce document. Ce lancement vise la réduction du taux de sous-scolarisation. Les inscriptions pour l'établissement des actes de naissance en cours pour la seconde étape. La demande est forte. Et pour ce pas, les parents sont très enthousiastes. Ça nous a aidé maintenant à résoudre ce problème parce que je ne savais où aller pour faire l'acte de naissance de ma fille. Dieu merci aujourd'hui et je remercie vraiment la communauté. Ça va vraiment nous aider à résoudre nos problèmes parce qu'auparavant, il fallait aller au niveau de Bétoire, monter, descendre, dépenser même énormément d'argent pour se faire obtenir ce précieux sésame, je peux même le dire ainsi. Avec ce geste, Mondo Mondo Jaquette est tout sourire. Une lueur d'espoir qui s'ouvre pour le secteur de l'éducation scolaire. Un retour certain l'an prochain des élèves collecteurs d'or dans les écoles de Bétaré Oya. La sécurité maritime dans le golfe de Guinée préoccupe. Elle fait face à la piraterie, la pêche illégale et le trafic illicite. La marine nationale, pour renforcer ses capacités, est engagée sur le champ des exercices dénommés « Obangamé ». Des scénarios basés sur des incidents maritimes au profit des marines de guerre des pays riverains. Cet exercice qui est devenu aujourd'hui une tradition pour les pays du golfe de Guinée en général, a été planifié dans un contexte pour la pandémie du Covid-19, demeure toujours une menace globale. Ces séances, organisées par le gouvernement américain et ses partenaires européens, sud-américains et africains, ont des objectifs bien définis. C'est s'assurer déjà que tout autour de nous, les mécanismes que nous avons mis en place dans le processus de Yaoundé sont appliqués, bien compris par tout le monde, bien huilé, de telle sorte que si d'aventure il arrivait que nous ayons besoin des autres, que leur appui ne trouve pas de difficultés pour se mettre en place. Donc ça nous permet, ça nous rassure davantage sur le fait que notre dispositif est efficace et si jamais il fallait le graduer, les voisins pourraient venir et savoir ce qu'il faut faire exactement.
Pour cette édition, les participants à l'exercice Obangamé Express viennent des États-Unis, du Gabon et de Sao Tomé et Principe. Elle comporte une phase d'entraînement et une phase de conduite sur le terrain. Adjara est une mère célibataire. Elle est originaire du département du Mayoreille, mais installée par la force des choses ici à Poli, dans l'arrondissement du Faro. C'est l'une des femmes qui siège au sein du Lamida de Poli. Mon mari m'a amenée à Poli. Il m'a abandonnée avec 3 enfants. J'ai beaucoup souffert. Comme le Lamido a vu ma situation, il m'a pris dans la fada des femmes. Comme elle, ce sont 35 autres femmes qui sont intronisées comme notables au sein du Lamida de Poli. Elles sont les premières à constituer toute une fada dans cette chefferie du Septentrion. La fada des hommes, il y a la fada des femmes, des notables femmes. Donc c'est composé de 2 notables. Il y a des notables femmes. Au niveau des notables femmes, c'est une innovation parce que avec le temps, il faut que la chefferie aussi s'arrive un peu. Oui, c'est une grande évolution. Parce que ici, chez nous au Nord, on n'admet pas que les femmes soient peut-être dans la fada. Mais si maintenant, Dieu nous a donné cette ouverture pour que on prenne les femmes en considération aussi, c'est que c'est une bonne chose. Ces femmes jouent le rôle de courroie de transmission entre le monarque et les populations de Poli. Elles sont celles qui accèdent facilement au foyer. Chez nous, compte tenu même de la religion, et les hommes ne peuvent pas entrer dans les concessions d'autres personnes trouvant leurs femmes pour leur sensibiliser sur certains points. Donc, raison pour laquelle j'ai créé les notables, j'ai nommé les notables femmes. Puis, s'il y a des informations, s'il y a des sensibilisations à faire, c'est ces femmes qui vont aller de maison en maison pour sensibiliser leurs camarades femmes. Cette fada regroupe plusieurs catégories de femmes et est reçue régulièrement par le Lamido. Elle se déploie lorsqu'il y a des événements comme celui du 8 mars, où leur passage est particulier et très applaudi. Le plus souvent, les acteurs du monde paysan sont confrontés à la faible imprégnation aux techniques de gestion durable des terres, aux techniques de production durable, l'accès limité des femmes aux ressources naturelles. Il en est de même pour la mise à l'écart des femmes dans le processus de prise de décision, l'insuffisance des structures de transformation des produits agricoles, pour ne citer que cela. C'est pour briser le mythe que le projet Kobalam, à travers son volet genre, s'est penché sur ce dossier, aux côtés de Rainforest Alliance, en partenariat avec les services d'appui à la protection de l'environnement et du développement. L'objectif ? Mieux outiller les femmes et jeunes entrepreneurs sur la transformation et le conditionnement de l'huile d'avocat, dans le respect de la production et garantir la qualité qui facilement pourrait être adaptée pour le marché. L'avocat doit faire partie des produits phares que l'étude a démontré. L'étude faite par SAPED a montré que les populations utilisent beaucoup dans les monts Bambutos. Il est donc question de valoriser cette chaîne de valeur. Raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour former les acteurs qui produisent et qui transforment sur les bonnes pratiques de transformation. Pour les participants à cette session de formation, il est davantage question de montrer le passage de l'avocat de l'état fruit à l'état huilé afin d'éviter les pertes post-récolte et accroître la plus-value. De l'avocat en huile d'avocat, j'ai trouvé cet atelier porteur très édifiant et suite à cela, je pense que j'aimerais me lancer dans ce secteur d'activité. Au sorti d'ici, je serai capable moi-même de me faire pas seulement de sous, mais aussi de transformer les avocats puisqu'on en trouve beaucoup dans mon village qui tombent au risque. Séance tenante, cette activité s'est étendue au petit élevage pour sensibiliser les hommes sur ces nouveaux rôles pris par la femme. Au sorti de cet atelier, les participants se sont rendus dans une unité de transformation pour une séance pratique. Elle porte la même étoffe que
que les milliers de femmes qui ont marqué le pas ce 8 mars 2022, mais se distinguent bien sur la place de la Bessequé de Douala, car elles sont la cheville ouvrière de la Cameroon Water Utilities, une appartenance qui a de quoi rendre fière, voire donner fière allure. Après cette ambiance bon enfant, où la bonne humeur donnait droit à des pas de danse, accompagnés de la fanfare, c'est dans un cadre dédié que les femmes de la Camwater se sont retrouvées pour partager un repas, cette fois aux côtés du top management de l'entreprise. Un moment qui a permis à ces femmes travailleuses de remercier celui-ci pour la confiance mise en la gente féminine, pour l'encadrement de cette célébration, mais aussi à demander plus de considération. Les femmes de la Camwata ont montré depuis fort longtemps au sein de notre entreprise de quoi elles sont capables. Monsieur le directeur général, convaincu que nous avons les atouts et toutes les compétences nécessaires ainsi que la volonté, nous comptons sur vous pour réduire les différents écarts, postes de responsabilité, cadres et j'en passe. Parce que nous, les femmes, sommes prêtes à conquérir de nouvelles forteresses. Aujourd'hui, nous demandons plus de formation pour les femmes et plus de visibilité. Les femmes sont pour la plupart talentueuses, multitâches, économes, de bonnes gestionnaires. Des doléances qui seront à coup sûr prises en compte. Pour les dames de la Camwater, le directeur général Pamawa vous témoigne toute sa confiance en votre dévouement, votre sens du travail bien fait, votre détermination, votre professionnalisme. Jouez pleinement et efficacement votre partition. Pour sa part, la direction générale ne ménagera aucun effort allant dans le sens de l'amélioration de vos conditions de travail. Pendant plusieurs jours, de nombreuses activités ont marqué la célébration. Causeries éducatives, journées gastronomiques, marches sportives et enfin les réjouissances avec une démonstration du talent musical. Moment de liesse auquel se sont fièrement mêlés les responsables. Loin des activités professionnelles menées par ces travailleuses acharnées qui font de la Camwater une entreprise qui distribue la vie. Plus de 700 femmes se sont retrouvées à la place des fêtes de Bafan à l'appel de Mme Ndjenda Charlotte pour prendre part à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Devant le préfet du Onkam, Lanu Arungwani, et de nombreux invités, elles vont faire montre de leur talent. Le défilé est ouvert par un carré spécial, suivi des femmes des services publics et parapublics, des instituts et formations universitaires, des sociétés privées et des associations culturelles représentant différentes régions géographiques du Cameroun. Ces prestations vont arracher des applaudissements de la tribune officielle, de la satisfaction de Monsieur le Préfet au terme du défilé. Nous voulons marquer un temps d'arrêt pour dire nos remerciements les plus sincères pour ce beau défilé du 8 mars que les femmes viennent de nous, dont les femmes viennent de nous gratifier. Madame Charlotte Ndjenda a pour sa part salué la forte mobilisation des femmes. Après quand même 2 années d'abstinence, les femmes se sont senties concernées. Elles se sont mobilisées et elles ont pu assister massivement aujourd'hui à l'apothéose. Quelques prix d'excellence se sont remis aux associations méritantes et la cérémonie s'est achevée par un cocktail. L'euphorie des supporters de PWD de Bamenda qui envahissent la pelouse du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé au coup de sifflet final. Le club du Nord-Ouest remporte pour la première fois de son histoire
la Coupe du Cameroun après avoir été champion en 2020. Victoire au bout d'une finale rude contre les Astres de Douala. Un seul but de différence à la 15e minute de jeu suite à une erreur de la défense des garçons de Douala dans les 16 mètres. Les Astres tentent d'égaliser en multipliant des offensives qui se heurtent malheureusement sur le mur défensif des Abakwa Boys. Le score reste intact jusqu'à la fin des 90 minutes. PWD de Bamenda est vainqueur de la Coupe tant convoitée. Il y a beaucoup d'émotions parce que quand je vois ce public-là qui... Il y a beaucoup d'extase, donc voilà. Je suis un homme comblé, je suis satisfait. Nous avons donné la joie à tout le Nord-Ouest, donc nous sommes vraiment contents. Et sur les consignes que le coach nous a données, on a respecté. Le plus important, c'est de remporter la finale. Je vais dire bravo à cette équipe qui a mérité sa victoire. Bravo au collègue Pagou, bravo à BWD de Bamenda. La fin de saison 2020-2021, c'était aussi l'avant-match, notamment la cérémonie officielle de clôture, marqué par une magnifique parade culturelle sous le regard admiratif du représentant personnel du chef de l'État, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Goûté, qui remet le trophée au vainqueur. À ses côtés, un important parterre de membres du gouvernement, du corps diplomatique et des acteurs du mouvement sportif national. Aujourd'hui, PWD ramène le trophée à Bamenda dans un contexte historique marqué par le contexte social que vous connaissez. Bamenda va se réjouir de recevoir PWD qui va certainement contribuer à pacifier la région et à rassurer les populations du Cameroun que Bamenda is back. Le public aussi a répondu massivement présent au stade Omnisports de Yaoundé. Début de la saison 2021-2022, le 16 mars prochain à l'Arena de Bouda. Alors que certains avaient imaginé que la victoire des Abakwa Boys en finale de la Coupe du Cameroun déjoue le Ghost Town de chaque lundi, ce premier lundi d'après-victoire est venu faire mentir tous les pronostics. Bamenda affiche le même visage triste qu'on lui connaît tous les lundis depuis des années maintenant. C'est un calme précaire qui prévaut dans la capitale régionale du Nord-Ouest. Marchés, transports et autres commerces sont fermés. Vainqueur la veille de la finale de la Coupe du Cameroun, les joueurs et autres membres de la délégation n'ont pas pris la route pour Bamenda la nuit dernière. Quelques téméraires espéraient pourtant assister à leur retour triomphal ce lundi. Des informations glanées autour de l'encadrement technique font état de ce que la délégation marquera une escale à Bouda pour prendre part au match d'ouverture du championnat prévu ce mercredi avant de rallier Bamenda avec le trophée. Ce tout premier trophée de la plus vieille équipe de la région entend être exploité comme élément de décrispation de la tension sociale causée par cette crise meurtrière qui dure depuis plus de 5 ans déjà. À quelques jours du début du championnat Elite One, Stade Rennais FC de Melon ménage déjà sa monture pour aller plus loin. 30 joueurs, ce sera l'effectif de l'équipe mythique de la ville de Melon pour le compte de cette saison 2022 avec 11 nouveaux joueurs et 19 anciens dans l'optique de tutoyer le sommet du football camerounais. Les ambitions de Stade Rennais sont de jouer le premier rôle de ce championnat. À mesure où l'année dernière, le club n'était pas loin des barrages, il y a été quelques petits couacs que le club était en place et peut-être aurait été même champion. Si les noms de référence tels que Jires Tamo, Thierry Aloukou et Bienvenu Mbite sont restés, l'équipe compte aussi des arrivées de poids tels que Jules Thio, meilleur joueur de la Coupe du Cameroun 2019, et Claude Eyike,
révélation de la Ligue 2 la saison dernière avec Renaissance de Ngoumou. Je sors de la deuxième division, je pense que je vais apporter mon plus à cette équipe de première division. Bon, je découvre la première division cette année, je pense que je vais faire de mon mieux pour pouvoir les amener encore plus haut en fin de saison. Les objectifs du club du Mungo sont clairs. Remporter au moins un titre cette année pour le bonheur de ses nombreux supporters. Pour le staff technique en général et pour nos joueurs, nous attendons beaucoup de vous. Du côté du staff administratif, nous savons, les autres ont tout dit, le présent, mais les grands moyens pour que nous puissions avancer. En attendant que les dés soient jetés pour le début du championnat, Stade Rennais FC de Melon fait déjà sa toilette. ...120 minutes sans prolongation, c'est le temps qu'a duré le match verbal entre les acteurs de football du Soleil Couchant. La Ligue régionale de football de l'Ouest, sous la houlette de son président François Kouidem, au cours de son assemblée générale, fait le bilan de la saison écoulée et projette les objectifs pour la nouvelle saison qui s'annonce. Il y a des résolutions phares, notamment celle qui a proposé au comité exécutif la nouvelle formule du championnat. Qui voudrait que ce championnat se joue à 3 poules. Étienne Gonneau représente le gouverneur de la région de l'Ouest auprès de la quarantaine d'autres participants au rang desquels les présidents des clubs et partenaires. Je vous transmets toutes les félicitations de l'autorité auxquelles j'ajoute mes encouragements. Pour paraphraser quelqu'un ou pour le citer un seul mot, continuez. La rencontre meublée par les échanges fructueux et francs avec des annonces. Le déroulement du championnat donc, le lancement aura lieu le 27 mars prochain. Sur les standing blocks, 24 équipes rivaliseront d'adresse dans 3 sous-poules. Au terme des différentes compétitions, le champion naîtra entre les 2 meilleures équipes issues des 3 sous-poules. Pour cette nouvelle formule, les barrages vont se dérouler à partir des quarts de finale en match aller-retour. Nous avons dit que nous sommes satisfaits des travaux, mais maintenant ce sont des propositions. Vous savez que dans les propositions, il faudrait maintenant que l'Assemblée générale de la Fédération adopte ce que nous avions dit. Parce que le plus bizarre, c'est que vous allez faire ce genre de travail. Et dès qu'on arrive à Yaoundé, on vous dit qu'on ne veut pas d'eux. Et aussi, maintenant, ça dépend des clubs amateurs dans tout le Cameroun. Parce que nous ne regardons pas seulement l'Ouest. La seule chose, c'est que souhaitons que Yaoundé accepte cette formule. Les participants ont entrepris d'implémenter les résolutions prises au thème des travaux. Afin que l'Ouest se maintienne au firmament des meilleures ligues régionales du Cameroun.